Je trouve souvent l'inspiration créative de mes vidéos quand je monte au début de ma rando, quand je commence à être dans l'effort. Je suis dans la voiture, j'y pense, je dis ah, nanana, qu'est-ce que je pourrais leur raconter. Et puis souvent quand je monte, bim, j'ai la lumière. C'est la spiritualité et l'effort. J'en parlais il y a quelques temps. C'est le fait que l'effort, à mon sens, sert la spiritualité. Comme si l'effort dépouillait l'esprit des choses superficielles, des choses pas importantes. Ça me met l'esprit clair. Je sais pas si on va la voir, mais cette ligne d'horizon là, à côté du pic du Midi Losso là, elle est trop 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 belle. Voilà, j'arrive au col. Et mon Ariel. Losso. La star du coin. Putain, le final il est aérien quoi. J'arrive de là tout droit quoi, quasi tout droit. Ah, sur la gauche il y avait un passage. Ouais, enfin ça reste aérien quoi. Et là au sommet il est juste là. Grand pic d'Ariel. J'y suis. Putain, le final il est vertigineux. Vraiment vertigineux. Bien, je vois le Bizorin où j'étais il y a une semaine. Le Castillo d'Acher, coupole de sécu. Ah, trop cool! Je reconnais la couleur bien rouge au milieu. Là. Je sais pas si on voit bien, mais ah, c'est cool, c'est rigolo de les voir. C'est un complot. Je suis en plein dans le nuage. Il y a du soleil. Vers l'Osso, vers là où j'étais la semaine dernière. Par là-bas et tout. Et puis moi je suis dans le nuage. Enfin, je suis à l'ombre parce que j'ai une belle vue. Mais je suis à l'ombre. Moi je me pèle. Je redescends. Thank you.
Je vais faire ma pause ici là. Il y a un petit abri là. Je vais pouvoir m'asseoir tranquille. Là j'ai ce qu'ils font là. J'ai des œufs de nos poules avec ma grand-mère. J'en ai pris 8. Carrément quoi. J'ai pris tout ce que j'avais, j'ai fait un petit stock. Et des bons sandwichs. J'ai vu sur le lac. Puis ben c'est beau quoi. Je viens d'arriver au col. Le refuge là-bas, et puis je m'en sauverai que par là. J'ai enlevé mon chapeau parce qu'il se serait envolé là, je crois. Voilà. Je suis au sommet de la montagne. Marcher. Qu'est-ce que marcher? Voilà la pensée qui m'a animé là. Marcher, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire de marcher? Voilà. Un essentiel. La base quoi. Tu fais un truc simple. Enfin, je fais un truc simple et je me demande ce que c'est. C'est beau. J'aime ça. Ouais, j'ai trouvé ce bâton. J'ai trouvé au sommet là-bas. On doit le voir là. Et le bout était un peu tordu, voilà. Donc je l'ai récupéré, je l'ai redressé. Et le comble, en descendant, je vois un truc là comme ça, je l'essaye, il fonctionne. Moi, c'est sans doute si au refuge je trouve le propriétaire, il va être fou. Je lui ai réparé son bâton, j'ai retrouvé le truc là, royal hein. Bon, je fais une petite pause au refuge, mais je crois que j'ai la flemme de demander. Je comprends rien à l'espagnol. Donc je crois que je vais même pas manger ici. J'ai repéré un spot sympa pour le bivouac là-haut. Là je fais sécher mes chaussures. Parce que j'ai pas réussi à passer la rivière sans piler les dents. Je vous montre. Allez, je vous montre. Merde, mon chapeau. Et finalement, je cède à la tentation. Je vais dormir dans le refuge. Il y a beaucoup de vent qui est prévu. Donc, dans le refuge. Puis hier, j'ai eu un vent monstrueux. Donc là, bon, bah, ce soir, j'aurai pas de vent.
Voilà. Je vais faire ma pause ici, face au lac. Ma pause déjeuner. Parce que j'ai pas déjeuné encore, moi. Mais j'ai faim. Le hussard, je pense qu'il en faudrait pas beaucoup pour qu'il attaque. Genre un peu énervé avec la dalle. Ouais. Et là où je suis là, c'est vraiment le genre d'endroit que j'adore. Une espèce de, je sais pas, enfin, il y a des pierriers, c'est rigolo. La vue est belle. Ah, c'est des endroits que j'adore. C'est vraiment la montagne, quoi. On change de monde. On n'est pas sur Terre. On est quelque part dans l'univers, mais pas sur Terre. On est ailleurs. Ça, j'aime ça. Balaitos. Domine les autres. Hein. Là, c'est marrant, j'arrive sur un évé. Il est bien venti. Et dans le prolongement du chemin, t'as pas de traces d'humain. Par contre, t'as les traces de hussard. C'est mignon. Les hussards, ils prennent les chemins des hommes. Bon, soit je vais bien creuser mes marches, soit je vais sortir le piolet. Ou enfin, ouais, si je sors le piolet, je fais les marches aussi. Hein. Cela va dépendre de la texture de la neige. Ah oui, ce petit lac là. Bah physique le petit névier. C'est-à-dire faut creuser les marches. Ouais, c'est physique quand même les névier. Ça tape dans les cuisses. Oh, le balai tout, il a de la gueule. Hein. Je trouve pas l'abri Michaud, je pourrais peut-être me le faire ici, ce bivouac ce soir. Ouais, c'est possible. Quel con, j'ai pas d'eau. Enfin, j'ai 500 ml. Pour tenir jusqu'à demain matin, ça va être compliqué. Ça m'étonnerait que j'en trouve. Bon, tant pis, je redescendrai. Ah, c'est dommage. C'est beau, c'est alpin. Alors voilà, la grande diagonale, je pense que c'est là, là. Effectivement, il y a un petit peu de neige. Je vais voir sur place. C'est juste à côté du sommet, mais j'aurais pas peur de faire demi-tour. Ah, ça c'est la confrérie des cairns qui a mis celui-là. Faut aller le mettre quand même. Faut oser. Ah, j'irai pas. It's me. Donc ça y est, je suis au sommet du Balaitou. Je suis très content. Il est plus facile que je croyais par la grande diagonale. Et je remercie Raoul, gracias Raoul, pour take caméra. Gracias Raoul. You're welcome. Raoul vient de me dire en anglais qu'il aimait la montagne. J'aime la montagne.
ça sentait la vérité. Quand même bien vertical hein. Là le névé hein. Et regarde là, tac, là je suis droit là, donc c'est pentu hein. Hop là, et là faut descendre par la grande diagonale qui était un peu là et puis un peu là, puis c'est de la, ça c'est de la montagne hein. J'ajoute quand même pour la grande diagonale. Faut chercher l'équerre, non? Parce qu'à un moment, je suis parti un peu à l'improviste, à l'aller, et c'était un peu rock'n'roll. Donc je suis revenu, j'ai retrouvé des cairns, et ça l'a fait. Un peu d'escalade, mais ça va, rien de très très méchant, quoi. Je m'attendais à plus difficile. Oups. Là, je descends, là. J'aimerais bien que le soleil se lève, faut peut-être pas rêver, ou que le vent cesse, ou trouver un endroit un peu sous abri pour me poser et manger. Car je commence à avoir faim. Rien trouvé de super, je vais me cacher là dans les cailloux, puis sinon il y a un petit rocher là, je vais me cacher derrière le rocher en espérant que ça vente pas trop. Ça s'appelle hein, quand il vente et qu'on est immobile hein. J'avais la réflexion en marchant que c'est pas facile de trouver la frontière entre ce qui est intéressant et ce qui ne l'est pas. C'est surtout, en fait, la manière dont on dit les choses. Je me souviens bien qu'il y avait un petit abri ici. Mais je me fous, mais pas qu'il n'y avait pas de toit. Dans le coin là peut-être? Je sais pas. Nous sommes face au très beau lac d'Arimoli. Et j'ai posé mon bivouac par là-bas, là. Mais il est tôt. Et j'ai un peu de temps à tuer. Donc je tourne, je vire entre les rochers et la brume. Alors là, je me suis installé face au lac. Qu'on voit que dalle. Et c'est très humide. Il pleut pas, hein. C'est juste la condensation. C'est en train de gentiment se déboucher. Ah, ma tante là. Le beau lac d'Arimoli. Voilà. Pile quand je vais me coucher, ça se débouche. C'est cool.
tant que c'est beau comme ça, je garde juste un moustiquaire. Pour profiter de la vue, quoi. Encore un bivouac de fou, hein. Je me demande si c'est pas encore plus beau qu'hier. Avant-hier. Et l'objectif du jour, le Lurien. Celui de droite. En fait, il est plus haut que celui qui est à gauche. Bah, la perspective, c'est trompeur. Mignon ce monsieur. Je lui demande s'il connaît le Lurien, s'il l'a déjà fait. Il me dit oui. Il me donne une petite indication. Je me dis, oh, mais j'ai pas envie de le faire. Puis il s'excuse en me disant 2-3 fois qu'il avait pas envie de le faire, comme si je lui demandais qu'il m'accompagne. L'indication qu'il m'a donnée, c'est que il y a une petite barre rocheuse à passer. Après une dévée. C'est joli, hein. Mais il y a quelqu'un qui monte et qui a l'air bloqué à la barre rocheuse. Je vais l'aider. Enfin, je vais l'aider. Je vais le rassurer, je pense. Le ou là. Plutôt une meuf. Je fais des vidéos sur YouTube. Ok. Est-ce que t'es ok si t'es dessus? Ah oui, ça me dérange pas du tout. Il n'y a pas de souci. Par contre, ouais, dis-moi. Comment ? Il y a le son sur ta vidéo. Donc je poserai ma question après. Ok. Marie, que j'ai croisée à la montée, juste avant la barre rocheuse. Ça grimpe quand même pas mal. Ça grimpe. Est-ce que Marie, tu veux une jolie photo de toi? Oh génial, en gros plan là. Nous sommes arrivés sur la crête. Merde ! Je croyais que je filmais pas. Et quand je croyais que je filmais, j'essaie de soigner mon son sur les vidéos. Et tu disais juste, waouh, c'est magnifique. Pardon. Et c'est dommage, je l'ai pas, je filmais pas. Ah, quel boulet. Ça t'aurait arrangé ? Ben ouais, carrément. Ah, pardon, je pensais que du coup c'était le... Non, si, si, justement. J'ai hésité entre les deux aujourd'hui.
Ouais, t'as bien choisi. Demain, c'est plus dégagé sur la rive. Mais ça fait peut-être un peu. Alors, tu me disais pâte, tomate, jambon. Ouais. Un peu de mayonnaise aussi. Non, j'ai mis de la crème de balsamique. De l'huile. Un peu d'huile, oui. Ok. Sel, poivre. Un peu. Ça va être bon. Ça devrait aller. Wow, ça devrait aller. Je pense que je vais me priver de la vue, mais que je vais descendre parce que j'avais pas du tout de vent. Ah. Je me remettrai. Avec... Ah ouais, d'accord. Avec okay. Mon petit morceau de fromage, ma petite compote et ah ouais. Ma gamelle. Ouais, mais tu vas te régaler, quoi. Après, il y a deux œufs, je peux donner un œuf. Hein, non, c'est bon. Parce que je pense que je vais pas tout manger. Je suis parti avec 8 œufs durs. Ah oui, donc tu as mangé assez. J'en peux plus, les œufs, là. Tu m'étonnes. Putain, ça a l'air bon. Je crois que je vais te laisser passer devant et je vais profiter. Non, au contraire. Ça fait de l'ambiance, ça fait de la vie. C'était pour dire que j'allais faire pipi. Ah, d'accord. Non, mais c'est pour ça. Ok. Oui, donc tu disais... Ça coupe. Oui, c'est bon, j'ai compris. Okay. J'allais profiter de mon contrebas, comme ça, même s'il commence à descendre, il me verra. D'accord, ok. Je laisse passer okay, d'accord, pour faire pipi. Oui, c'est, okay. C'est pour ça que je me suis arrêtée. D'accord. Okay. Après, ça aurait été sympa aussi de savoir que j'avais besoin de faire pipi dans ta vidéo, mais je suis pas sûre. Mais là, j'enregistre hein, depuis tout à l'heure. C'est vrai? Ouais. Non, c'est pas vrai. Si, si, c'est vrai. Merde. Mais voilà. Je le mets pas? Ou tu t'en fiches? Je m'en fiche. Ok, ok, mais je verrai au montage. Je verrai au montage. Ok. Ça me okay. dérange pas du tout. Ok. Ok. C'est... Ouais, c'est rigolo. Ouais. Regarde cet insecte là, comme il est joli. Ah, mais c'est ça, je pensais que c'était un papillon tout à l'heure. C'est pas un papillon du tout. Ah, peut-être, si. Ma dernière prise de vue intéressante, Marie, c'est quand tu dis que tu vas faire pipi. Est-ce que tu restes là-dessus ou est-ce que t'en prends d'autres? Bah, en fait, je me demande comment je vais finir ma vidéo, quoi. Après 3 jours et demi de montagne formidable, je termine sur Marie qui fait pipi, quoi. Je suis désolée. Non, en plus. Il me semblait, je me suis arrêtée, il me semblait que ça avait fait bip. C'est pour ça que j'ai fini ma phrase. Parce que mais au contraire, c'est rigolo, quoi. Ah, bah, c'est mais du coup, je fais ma vraie fin de vidéo maintenant. Oui, je comprends. Je okay. Mais non, mais au contraire, tu vois, ça clôture l'enchaînement, quoi. Tu pouvais pas finir sur moi qui fait pipi, effectivement. Ça aurait été. J'ai fini sur toi qui fait un joli sourire. Ouais. Eh bien, c'est parfait. Merci, Marie. Oui. Ah oui, après, ça va être les bons. C'est plus pour moi ou quoi? J'aime les gens. Je laisse la place aux rencontres. Je veux vous recevoir et vivre avec vous. Mais je trouve que c'est plus élégant de laisser passer pour la vidéo, ça rend mieux. Je trouve que c'est plus sympa. Oui. Ça fait moins goujat. Mais n'empêche que tu fais plus de kilomètres parce qu'à chaque fois ouais. Tu repars, tu la reprends. Des fois quand je me prends bien la tête, ça prend du temps. Oui, bah, quand je fais bien le cadrage et tout.